Bienvenue sur Chefouné TV. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une bavette d'aloyau, cuisson basse température et ensuite grillée à la planche. Donc là, il s'agit d'une viande qui est assez fine, hein, comme vous pouvez constater, 2 cm, 2 cm et demi. Donc nous n'allons pas la marquer au départ, nous la marquerons après la cuisson sous vide. Donc là, je vais mettre un peu de robe à steak ou votre robe préférée. Donc sur toutes les faces. Et ensuite, on va la mettre sous vide. La bavette d'aloyau, c'est un morceau que j'apprécie énormément. C'est un muscle qui a des fibres longues et qui est un petit peu épais et qui est idéal pour la cuisson en steak. Donc ici, je vais la cuire entière. Donc là, c'est à peu près une moitié de bavette. Hein. La bavette, ça fait à peu près 2,3 kg, 2,5 kg, suivant la grosseur de la bête. Et ici, elle fait, il y a un peu plus d'un kilo. Thank you.
notre bavette. 55 degrés, donc saignant. Un joli rose. Donc on va la découper dans le sens un peu perpendiculaire aux fibres. Elle a l'air super tendre. Hein. Donc bavette d'aloyau, bœuf français, viande charolaise, de la maison Lascour. C'est une qualité de viande que vous pouvez trouver assez facilement. Donc on va goûter. C'est extra. J'ai bien fait de mettre environ 4 heures d'attendrissement. Parce que là j'ai une viande qui est une texture, vous voyez, qui se délite facilement. Ça se déchire. C'était très agréable en bouche. Il y a quand même de la texture un petit peu avec la fibre de la bavette, hein, du muscle de la bavette. Le petit rub va très bien. Petite dominante poivrée qui va très bien aller avec ma sauce au master que l'on va goûter. Voilà, donc cette petite sauce au minster avec du lard, j'ai été très généreux. J'en ai fait vraiment une petite casserole. On sent bien la petite pointe de cumin, le lard qui a presque complètement fondu, le minster qui reste discret. Donc si vous voulez une sauce vraiment qui est bien relevée avec le fromage, je pense qu'il faut prendre un fromage assez frais. Le mien était affiné, mais moyennement. Donc si vous voulez vraiment beaucoup de goût, n'hésitez pas à choisir un fromage très frais. Alors au niveau de la texture, c'est évident que si j'avais cuit classiquement ma bavette, elle n'aurait pas été aussi tendre que ça. C'est pas possible parce que là, vous voyez, elle se déchire, elle est tendre, elle est moelleuse. Franchement, c'est une très belle réussite. Voilà. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre un commentaire si vous vous voulez et de vous abonner à Chef Ounier TV si vous ne l'êtes pas. À bientôt.